Bonjour mes amis de maths. Cette fois, on va répondre à la question 12. On va décomposer un trinôme en facteurs. Alors, on va essayer la question 12e. 30 x au carré y moins 20 x au carré y au carré plus 10 x cube y au carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est séparer les trois termes différents, 30x au carré y moins 20x au carré y au carré et 10x cube y au carré. Et la prochaine chose qu'on doit faire, c'est décomposer le 30, le 20 et le 10 en facteurs premiers. Alors si on regarde ici, 30, c'est 3 fois 10. 2 fois 5, 20, c'est 2 fois 10 et 2 fois 5, et 10, c'est 2 fois 5. Alors maintenant, on va changer 30 à 3 fois 2 fois 5, fois x, fois y. La même chose avec 20. Maintenant, 20 est négatif, alors on va mettre moins 1. Fois 2 fois 2 fois 5. Il y a 2x fois x et 2y. Fois y fois y. Et maintenant 10, les facteurs premiers sont 2 fois 5. Il y a 3x, x fois x fois x et 2y. Fois y fois y. Maintenant, ce qu'on va faire, on va trouver les facteurs qui sont en commun. Alors, il y a un 2, 2 et 2. Alors, on va mettre un 2 là. Il y a aussi un 5 ici, un 5 ici et un 5 là. 5. OK, et maintenant, on a x fois x. Encore un autre x et x. Fois x, et il y a aussi un y en commun. Y, fois y. Et maintenant, on doit décider qu'est-ce qui reste. Dans le premier terme, il reste un facteur de 3. Dans le deuxième terme, moins 1 multiplié par 2 multiplié par y, c'est moins 2y. Et le troisième terme, il reste un x et un y, plus x, y. Alors, la réponse finale, on peut simplifier un peu. 2 fois 5 est égal à 10. Il y a 2x et 1y. Et on a 3 moins 2y plus x, y. Et voilà la réponse finale. La forme décomposée. Les facteurs de ce trinôme, c'est 10x au carré, y, multiplié par 3, moins 2y, plus x, y. Merci et bonne chance avec la maths.